Bonjour à tous, merci de nous préférer. Des voix s'élèvent contre la tenue du congrès électif du Conseil national du patronat de Guinée le week-end dernier. Un congrès à l'issue duquel Assoumane Kaba Guitère a été choisi président de cette organisation. Cependant, Sékou Cissé, président par intérim du CNP, version Mamadou Sylla, ne décolère pas. Dans une interview accordée à notre rédaction ce lundi, il qualifie ce congrès de nul et non avenu. Le décryptage, c'est avec Moussa Sefa Camara. Les querelles intestines qui minent le patronat guinéen continuent leur petit bonhomme de chemin. 48 heures après le congrès de cette institution, les voix s'élèvent. Au dire du président par intérim, la tenue du congrès constitue une violation flagrante de la loi par Mamadou Sylla et ses pairs. Ici, président par intérim, c'est moi qui dois convoquer ce congrès. Ce n'est pas Mamadou Sylla de convoquer, mais c'est... Vous savez, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Et vous voyez une partie de ces organisateurs qui ont bafouillé en se casant derrière qu'il y avait BIT et la COPAO, et même ne comprennent même pas qu'est-ce que ça veut dire BIT, qu'est-ce que ça veut dire la COPAO. La COPAO et le BIT n'interviennent pas dans les problèmes internes. Ils les ont invités et ils sont venus et eux, en tant que Guinéens, ont bafoué la loi guinéenne devant les étrangers. Pendant que le vice-président s'attendait à une décision de la justice, l'ancien président du patronat guinéen et son équipe se précipitent pour l'organisation d'un congrès insensé, dit-il. Pourquoi depuis 18 ans, Sylla n'a pas organisé de congrès? C'est maintenant qu'il faut se presser. La Cour dit, vous nous donnez le temps, on va étudier le dossier, le 28, on prend une décision. Mais depuis 18 ans, il n'y a pas eu de congrès. Parce que moi, président intérimaire, Sylla m'a assigné en justice, en m'interdisant de parler au nom du CNP parce que le CNP lui appartenait. C'était une propriété privée, qu'il avait un papier de l'OAPI. D'abord, j'ai essayé de démontrer ça. L'OAPI m'a écrit pour dire que le CNP était une personne morale. Sékou Cissé dit que son titre de président par intérim du CNPG est issu d'une résolution. Il a également souligné l'incompatibilité du député Mamadou Sylla à la tête du patronat guinéen. Il y a eu une résolution. La résolution, M. Sékou Cissé, a été encore confirmée de continuer son intérimaire. Voilà les feuilles de route que l'Assemblée m'a données en ce moment. C'était de démontrer l'incompatibilité d'un chef de parti politique et député à l'Assemblée nationale. Nous sommes en justice. On n'est pas au niveau du ministère du Travail. C'est ça le problème. Mais il ne maîtrise pas le sujet. On dit oui, notre organisation, le gouvernement, il ne doit pas se mêler. Mais le gouvernement ne s'est pas mêlé. En attendant le verdict de la justice, le gouvernement annonce que ce congrès est nul et non effet. Et puis, lancement officiel ce lundi de la délivrance des cartes nationales d'identité sur toute l'étendue du territoire national. Dans les commissariats centraux de la capitale, où le directeur de la police régionale de Conakry a rendu visite, l'engouement est peu perceptible, mais quelques matériels techniques étaient sur place. Saloum Kondé pour le compte-rendu. Après une longue trêve de non-délivrance des cartes nationales d'identité, les citoyens guinéens peuvent enfin se procurer des pièces d'identification. La relance de cette opération est effective. Ce lundi, on pouvait constater dans certains commissariats de Conakry l'absence de certains matériels permettant de rendre accessibles aux citoyens les pièces d'identité. Et l'affluence était moins perceptible. Pour la transparence de cette opération, des règles ont été édictées. Nous avons interdit d'envoyer non seulement les photocopieurs, les laminateurs qui viennent et les rabatteurs des civils qui viennent s'arrêter derrière le cours, même dire prendre les dossiers avec les demandeurs. Tout ça, là, c'est une tracasserie. C'est pourquoi j'ai exigé à ce que le client ou le demandeur vienne directement voir le service de l'IJ pour le dépôt des dossiers. Les dossiers qui sont exigés à le certificat de résidence
il y a l'extrait de naissance ou un jugement supplétif, 4 photos d'identité. Un citoyen rencontré dans un commissariat de la place se réjouit de cette délivrance des cartes nationales. On m'a demandé d'envoyer le certificat de résidence, j'ai pris ça dans notre quartier. J'ai acheté ça à 10 000 francs. Je suis venu dans le bureau, on me demande 15 000 francs. Là, je suis content. Je suis content, je suis ravi. Parce que c'est pas facile quoi, de voyager sans les cartes. Le directeur de la police régionale de Conakry a déploré la non-affluence des citoyens. Le constat que je fais, c'est que les citoyens, je ne sais pas encore, peut-être ils sont sceptiques, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, ils ne sont pas présentés au commissariat. Mais je souhaiterais que dès demain, que tous les citoyens voulant rentrer en possession des cartes d'identité se présentent librement au niveau des commissariats, des 7 commissariats de Conakry. En tout cas, tous les commissaires ont été briefés, des instructions ont été données, les recommandations leur ont été rappelées pour que les citoyens, pour cette période transitoire, puissent rentrer en possession des anciennes cartes d'identité. Cette opération de délivrance des cartes nationales d'identité va s'étendre sur une période transitoire de 8 mois avant la biométrisation du système. Qualifié de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée n'arrive toujours pas à desservir l'eau potable pour l'ensemble de ses populations. Avec une bonne pluviométrie alimentant les différents bassins fluviaux, le constat de Conakry, la capitale, à l'intérieur du pays reste le même, c'est-à-dire manque parfois criard d'eau potable. C'est un reportage d'Alseni Diallo qui nous revient de Niandankoro, l'une des 10 sous-préfectures de Sigiri. Suivez. Par le nom, la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Ce qualificatif ne reflète pas toujours la réalité sur le terrain. À Conakry comme à l'intérieur du pays, les populations sont confrontées à un manque criard d'eau potable. C'est le cas de Niandankoro, une sous-préfecture située à 42 km du chef-lieu Sigiri. Ici, la localité n'a que 3 forages comme celui-ci. Tous les jours, ces différents points d'eau sont pris d'assaut par les habitants à la recherche de cette denrée rare à Niandankoro. Ici, il y a un manque d'eau. Des femmes, des jeunes et même des enfants s'impliquent activement dans la quête de l'eau en cette période très dure dans la savane guinéenne. En Nanda ici, bon, c'est pas facile quoi. Puisque pendant la saison sèche là, les gens souffrent à cause d'eau. Donc, il n'y a pas tellement de pompes. Donc, les gens souffrent un peu. Niandankoro a une population de 23 767 habitants, dont plus de 12 000 femmes. Ces dernières perdent plus de temps à la recherche de l'eau potable qu'à d'autres activités. Une réalité due à la mauvaise desserte de l'eau dans la sous-préfecture. Lorsque nous venons le matin, on peut des fois rester jusqu'au soir avant d'avoir un bidon d'eau. Si les forages sont gâtés, tout le monde vient chez nous. Je puise, j'envoie mes bidons soit dans les charrettes ou sur ma tête. À Niandankoro, comme dans les autres localités de la haute Guinée, le calvaire des femmes à la recherche de l'eau potable est identique. Et puis, à Conakry, fermeture des 72 heures du livre ce lundi. Les professionnels du livre avaient 3 jours pour placer cet outil au centre de développement communautaire. Des ateliers et tables rondes ont permis aux auteurs et éditeurs guinéens de partager leur savoir avec ceux d'autres pays, notamment le Congo, pays invité d'honneur pour cette 8e édition. Salut Yombuno. Après la Côte d'Ivoire en 2015, c'est le Congo qui a été cette année le pays invité d'honneur au compte des 72 heures du livre. La nation congolaise s'est faite représenter par une délégation d'une dizaine de membres qui sont essentiellement des auteurs et éditeurs. Pour la plupart à leur première participation à ce salon littéraire, les acteurs du livre congolais présents à Conakry depuis samedi expriment toute leur satisfaction face au déroulement de l'événement. Les impressions sont très bonnes et simplement je voudrais juste retenir 2 points majeurs qui m'ont frappé. Le sens de l'hospitalité, allais-je dire, des Guinéens qui nous ont accueillis vraiment comme des frères, plus que des frères même. Ça, c'est ma première impression. Et la deuxième,
cette formidable organisation qui a été mise en place autour du livre, vous rendez compte? J'ai vraiment apprécié. Déjà depuis l'aéroport, l'accueil était chaleureux, les Guinéens sont très gentils et en tout cas c'était très bien organisé. Ça donne envie de revenir. Envie de revenir, certes, en 2017, année à laquelle la Guinée est sacrée capitale mondiale du livre. D'ores et déjà, les auteurs et éditeurs congolais expriment toute leur volonté de soutenir la Guinée pour la réussite de cet événement qui va au-delà de ses frontières. Tout le bonheur et surtout, comme disait le ministre Lamine Camara hier, tout le bonheur et surtout l'honneur de porter cette charge parce que ça sera la capitale mondiale. Donc tout le monde entier regardera Conakry, regardera la Guinée. Et c'est une charge importante. Donc nous allons soutenir les Guinéens dans cet esprit-là. Nous avons nous aussi, au niveau du Congo-Brazzaville, une bonne expérience de l'organisation de manifestations littéraires. Et de ce point de vue, je pense que nous allons travailler avec Sansi Kaba et beaucoup d'autres pour conduire cet événement. Et le continuer d'ailleurs, pourquoi pas, au-delà des frontières de la Guinée. Les 72 heures du livre, version 2016, s'achèvent dans la capitale guinéenne, mais à l'intérieur du pays, plus précisément à Boké, l'événement devra se poursuivre du 26 au 27 avril 2016. Une occasion pour les professionnels du livre congolais d'en savoir mieux sur la Guinée. Restons toujours dans ce cadre pour dire que la Côte d'Ivoire prend du goût à l'événement. Invité d'honneur au compte de la précédente édition, le pays pour cette 8e édition a dépêché une autre délégation pour participer aux festivités. Les hommes de la culture ivoirienne apprécient l'organisation de ce Salon du Livre 2016 à Salimatou Baldé. 2016 marque la 8e édition de l'organisation des 72 heures du livre en Guinée et la République de Côte d'Ivoire participe à la rencontre littéraire pour la 2e fois. Le pays invité d'honneur de 2015 était une nouvelle fois présente à Conakry pour cette 8e édition de l'événement majeur du livre en Guinée. Les auteurs ivoiriens ont été marqués par l'organisation du 10 salon. Au niveau de l'organisation, les choses sont bien préparées. Et qu'on fait attention à tous les petits détails. C'est vrai qu'aucune organisation ne peut être parfaite à 100%, même pour les efforts qui ont été mis en jeu, qui ont été déployés, on peut dire que si c'est un coup d'essai, il a été un coup de maître. Cette participation de la Côte d'Ivoire aux 72 heures du livre est aussi une marque de son soutien à la Guinée dans le cadre de la promotion de cet outil didactique. Le livre est au cœur du développement. Le livre est au cœur des rencontres. Le livre est un moyen d'échange et de rencontre. De ce fait-là, il y a une obligation de solidarité vis-à-vis de l'Armatan Guinée pour soutenir cette maison à notre humble niveau en vue de la réussite de toutes ces activités. 3 jours pour vendre et promouvoir les œuvres ivoiriennes en Guinée. 3 jours pour aussi échanger et partager des savoirs des acteurs du livre de deux pays qui partagent les frontières. Il y a de quoi se réjouir. C'est toujours bon de venir rencontrer ces lecteurs. Et je pense que les 72 heures du livre sont, comme je l'ai dit, une grande plateforme d'échange et je suis très contente d'être là. L'année prochaine, la capitale de la Guinée, Conakry, sera capitale mondiale du livre et les éditeurs ivoiriens pourraient bien être de la partie. En tout cas, le souhait, ils l'ont exprimé. Vous le savez sans nul doute, l'artiste congolais Papa Wemba est décédé ce dimanche en Côte d'Ivoire des suites d'un malaise en plein concert. Et depuis cette annonce, Kinshasa, la capitale de la RDC, est sous le choc. La disparition de Papa Wemba a créé la consternation au sein de la population et a surpris plus d'un mélomane. Les professionnels du livre congolais et ivoirien présents à Conakry pour les 72 heures du livre ont profité pour lui rendre un vibrant hommage. Nous l'avons appris hier en pleine conférence. J'ai été vraiment terrassé, j'ai ressenti de la chair de poule. C'est quand même une grande voix d'Afrique qui s'en va. Mais comme on dit, l'artiste meurt mais ne meurt jamais. Parce qu'il vivra toujours à travers ses œuvres. Voilà. Mes condoléances à la famille éprouvée. Merci. Moi j'ai grandi avec Papa Wemba parce que c'était notre idole à l'époque. Il était encore tout jeune à l'époque, et nous aussi d'ailleurs. Et on a dansé dans les années 70, début des années 80, sur les airs de Viva la Musique, c'était ça le nom de son groupe. Et encore bien avant d'ailleurs, dans Zaïko Langa Langa. Donc c'est quelqu'un que je connaissais en plus personnellement, et je suis extrêmement touché par sa mort. Mais bien,
Ce que vous voulez, c'est le destin, donc on ne peut que déplorer. Mais Papa Mbah n'est pas mort parce qu'il nous a laissé une œuvre considérable. Il nous a laissé des belles mélodies, des belles paroles, de la bonne musique. Et je pense qu'après la mort de Papa Mbah, on écoutera encore du Papa Mbah. Oui, c'est une tristesse pour tous les Africains, pour le monde artistique, pour ceux qui aiment la bonne musique. Et je pense que il a fait ce qu'il devait faire, c'est le destin qu'il a voulu ainsi. La seule chose, c'est d'être humble dans la vie et de savoir qu'à tout moment, nous pouvons tirer notre révérence et à tout moment, nous devons partir. Le plus important pour nous, c'est de laisser à la postérité tout ce qui est positif. Et Papa Mbah l'a si bien fait. Les œuvres qu'il a créées, qu'il a mises sur place, seront des œuvres atemporelles, des œuvres qui seront longtemps utilisées dans le temps, comme les Bob Marley l'ont fait et qui aujourd'hui, après leur disparition, continuent. Et puis toujours culture, mais cette fois-ci avec Kerfala Kanté qui rend hommage à Elhadj Lansana Sako, l'ancien secrétaire général adjoint à la présidence sous le règne de Lansana Conté. L'oiseau du Sankara chante à les louanges de l'ancien fonctionnaire aux Nations Unies pour ses nombreux services rendus à la nation et à l'humanité. Son épouse Hadja Hamidé Sako, très touchée par ce morceau, était inconsolable lors de la dédicace du double album Sayon Kourouma pour les temps forts. Décédé le 16 septembre 2010, l'ancien ambassadeur de la Guinée en Allemagne et en Autriche vient d'être immortalisé par l'oiseau du 140 Kerfala Kanté. Elhadj Lansana Sako, le décoré de la Légion d'honneur française par le président Jacques Chirac, est chanté par l'enfant de Koumanikoura pour ses nombreux bienfaits rendus à la nation. Des services dont se souviennent encore certains de ses proches. C'était l'homme qui tenait, c'était l'homme qui avait l'autorité sur la famille. Et sa disparition, jusqu'à présent, nous la ressentons. Ce qui nous fait atténuer cette disparition, c'est grâce à sa femme, Tanti Hamidé. Mais que cela nous tienne, la disparition de Tonton Lansana Sako aujourd'hui a laissé des effets. Ce titre Sakola est donc spécialement dédié à l'ancien directeur des cabinets de feu président Abel Sékou Touré. Une manière de reconnaître les bienfaits de ce grand homme d'État. Son épouse Hadja Hamidé Sako, aujourd'hui femme d'affaires et conseillère chargée des missions de la première dame, reste toujours inconsolable. L'émotion est très grande et si je dois parler de mon mari, je ne tarirai pas d'éloges. Il a été un grand homme, il a été un homme intègre et nous avions vécu une vie de famille très heureuse, une bonne éducation aux enfants. Que Dieu lui accorde le paradis. Inconsolable certes, mais grâce à ce titre Sakola chanté par l'oiseau du 540 et le soutien de ses proches, l'homme est désormais vivant. Les œuvres de l'âge d'Ansana Sako et celles de son épouse plus particulièrement sont toujours saluées par leurs proches. Vraiment, vous ne devrez pas pleurer. Votre mari n'est pas là, mais vous êtes là. Vous prenez soin de vos enfants et de sa famille et de ses amis. Il faut bénir pour votre mari. Nous sommes de cœur avec elle. C'est le plus important. Il n'y aura jamais une femme Sako comme toi. Tu as fait l'honneur de tous les Sako. Et depuis que tu as connu Sako, depuis que moi je t'ai connu avec mon frère à Paris, jusqu'ici tu as été vraiment la femme la plus remarquable des femmes Sako. Alors tu nous as fait tout le monde aujourd'hui. L'honneur. Continue comme ça. Et c'est la bénédiction pour tes enfants. Rappelons que l'âge de Lansana Sako, en plus de ses activités dans son pays, a servi le monde, surtout son passage aux Nations Unies, reste le plus marquant. Pour ce titre, Kerfala Kanté a reçu un 4x4 et deux billets d'avion pour les États-Unis de la part de la famille Sako pour la réalisation de son clip Hollywood.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.